DJ Rémi t'invite maintenant chez lui. Bienvenue dans Game avec Jérém. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, bienvenue dans Game avec Jérém. Et aujourd'hui, on va jouer tous ensemble à Wolfenstein The New Order version PlayStation 4. Un jeu que j'avais beaucoup attendu, qui m'a fait vraiment triper. Je peux vous assurer que ce jeu m'a fait triper et j'ai vraiment envie de vous faire partager cette expérience. J'ai vraiment pas trouvé de niveau exceptionnel à vous montrer, tellement j'avais envie de tout vous montrer en fait. Alors là j'ai choisi le deuxième chapitre qui se trouve à l'asile, que je trouve quand même vraiment sympa. Ça va pas spoiler, je pense pas, mais en tout cas ça peut être vraiment pas mal. Là, en fait, je vous ai passé le premier chapitre qui explique notre histoire un petit peu et pourquoi on se retrouve à l'asile et dans un état de légume. Voilà. Je peux vous dire, on est à légume, on n'a rien à faire. Là, on est en fauteuil roulant. Il y a l'aide-soignante qui nous soigne. Et là, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait parce que la cinématique là, elle, ça prend franchement l'histoire générale, elle prend au trip. Enfin moi en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait. Regardez là, on voit le temps qui passe, le temps qu'il a passé à l'asile. L'infirmière en chef. La musique elle est super. Je vous le laisse un petit peu. Parfois ils fêtent Noël ou des anniversaires. Parfois des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strauss se sert à volonté. Ça fait peur. Aussi fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. C'est vraiment super bien fait là. La réalisation générale du jeu. J'allais dire film. Mais franchement, c'est des mises en scène que j'adore déjà dans les films et franchement ça peut être vraiment un film. Et là c'est nous, voilà, on va jouer et ça va faire mal. Voilà les Allemands. Et là, ils disent au docteur que c'est terminé, ils n'ont plus besoin de lui, et ni de son centre, et qu'ils vont le fermer. Mais le fermer à la manière nazie, bien entendu. Et là, hop, on a chopé un petit couteau. C'est violent, hein. 18 plus. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas Lucas avec moi, donc c'est un jeu que je lui montrerai pas et qu'il jouera pas. Là, ils vont prendre l'infirmière en chef, avec qui on a pris sympathie. Et là, voilà. Élimination. Bam, dans la jugulaire. Aïe, ça gicle là. On a retrouvé nos sens. Et voilà. On va commencer à jouer. On a les jambes en compote. Si on arrive à choper le pistolet et puis à marcher, là, ce serait pas mal. C'est super. Franchement, moi, je kiffe. Ah, il est bien mort, hein. Oh. Par contre, ils sont tous bien morts. C'est assez dégueulasse comme scène. Bon, il faut fouiller un petit peu partout parce que le jeu regorge de petits objets cachés, des documents, tout ça. Et puis à la fin des chapitres... Allez, moi je lui fais une élimination. Ah là là, je kiffe. Même la jouabilité, elle est vraiment sympa. Il y a plein de trucs à ramasser. Voilà. Pour l'instant, on n'a qu'un pistolet et un couteau.
On peut récupérer des munitions sur les cadavres. Je suis concentré à ces. Vous savez que les jeux de. Oh là. Attends, je vais ramasser. J'ai ramassé son truc. Ah, j'ai plus de munitions. Ça va, ça. Voilà, j'ai récupéré de leur mitraillette. Les trucs là-bas, les trucs qui brillent. Fallait déjà où déjà. Vous voyez comment je peux passer? Ah, regardez ici, c'est pas mal. Ah, ça le fait pas? Ah, c'est peut-être pas celle-là. Ah, attends, c'était pas celle-là. Ah, c'était là pourtant. Ah, il y avait une cinématique. Ah, voilà. Une jolie cinématique. On se remémore un souvenir. Voilà, c'était bien là que je voulais aller voir. C'était un peu douteux au début, hein, où elle frottait. Ah, les pimpons, je passe à côté de moi. Je vais vous passer les. Bon, allez, j'y vais directement. Il y a plein de trucs à reprendre un petit peu. Donc, on va aller directement en bas, puisque en haut, il n'y a rien. Voilà. On ne s'est pas fait repérer pour l'instant. On va essayer de les prendre par surprise parce qu'on peut réussir à y aller furtivement. Mais il faut y aller furtivement. Parce qu'après, on a des codes d'alerte. Là-bas, est-ce que je vais réussir à avoir? Ah, il y en a un peu partout. Où est-ce qu'il est l'autre? Merde, il va me repérer. Tant pis. Tant pis, j'y vais à... Ah là là, là, là. J'y vais à l'arrache. Hein. Je pensais qu'il m'avait vu, j'avais... Là, là-bas. Ah, une petite roue. J'entends dans tous les sens. Tac, tac, tac. Oh là là, je kiffe, là, les... Comme ça. Paf. Ah, c'est énorme. Les corps à corps, hein, ça... Et puis la musique. Écoutez le son là. On se croit. Moi ça me fait penser à Terminator. Cette sonorité là. Voilà. Ah voilà, mais c'est les portes où il fallait que. Voilà. Bon, je vais y aller comme ça. Hein. Oh là, ils sont venus. Ah, j'ai pas de grenade. Les vieilles grenades. Bon là, sachez que j'ai mis le jeu en mode facile pour les besoins de la vidéo parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des tactiques. Et regardez le bug. Alors il y a quand même pas mal de bugs. Hein. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que j'avais posté une photo d'un joli bug. Et là, regardez ce truc là. C'est... Ce bruit là est sur son casque. Ouais, ça fait. C'est le truc qui ressemble à rien. Il est tombé. Alors, est-ce que si on tire là-dessus? Ah, ça explose, ça va. Et le fusil aussi, là, il est. Il y a quand même des sales bugs dans le jeu. Hein. Mais ça n'empêche en rien à l'amusement parce que franchement, moi j'ai pris mon pied. Enfin, je prends mon pied parce que je n'ai pas terminé le jeu. Ah, j'y vais à l'arrache. Hein. J'y vais à l'arrache. Wow, 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 wow. Hey. Who are you? À l'arrache. Patch dans ta gorge. Wow, oh putain. Oh la vache, je l'avais oublié ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est chaud à voir. J'avais oublié ça.
Oh, encore un. Encore deux. Il y a des drones. Vous voyez, hein, c'est la guerre, l'ancienne guerre. Mais malgré tout, c'est... Oh, j'ai un fusil à pompe. Ah, il va me faire... Pouah ! Voilà. Alors, nouvel objectif, aider Anya, qui est là. Qui va devenir... nous allons être relativement proches plus tard dans le jeu. Notamment dans un niveau, dans un train. Dans, vous voyez, une enfilade de wagons qui est pas mal. Il y a même une scène qui est pas mal non plus. Hein. Je vous en dis pas plus, mais vous aurez deviné que dans le compartiment où sont les deux protagonistes, nous et la fille, il n'y a qu'un seul lit. Et là, voilà. On s'enfuit quand même du centre de l'asile. Non sans mal. Non sans mal. Elle écrase du nazi, là. Bam! Et ça, voilà, c'est une cinématique, je la passe. Voilà. Alors là, on s'est retrouvé dans la famille de la fille, qui ont une ferme. Alors là, il y a déjà un truc caché à prendre. Enfin, et là, on a pris en otage un nazi. Ils ont bien trouvé la tête. Oui, oui, oui. Alors regardez un petit peu ce qu'on va devoir chercher. On va voir chercher ça. Mais pour ça, on a besoin de protection. Bah oui, hein, pour pas se tâcher. Et là, on dit rien. Et l'autre, il commence à baliser là sur son siège derrière. Et il s'énerve de plus en plus qu'on enfile notre protection. Et là, on peut jouer avec lui derrière. On peut le faire peur. Enfin, faire peur dans le sens... Wow, c'est mental, c'est psychologique. Qu'avons-nous besoin ? De lunettes. Là, on se croirait dans Saut. On se croirait dans Saut, le rôle d'un gars qui torture. Vas-y, regarde-moi avec ton œil. Putain, on peut pas le taper, on peut rien faire. Bon, on va aller chercher l'artillerie lourde. Hein. Et là, on le tape. Faut le taper en même temps. Parce que sinon, il nous... Il s'est déligoté. Hein. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. On verra pas plus. Mais on imagine. Ouh. Mode psychopathe. Mauvaise réponse. Mode fly. Ah. Ah, il rigole moins, hein. Ouh, c'est vraiment proche de sa gorge. Dans la prison à Berlin, et c'est là que nous allons devoir nous y rendre en train, justement. Je vais pas le passer, on va quand même voir je suis à... Là, c'est fini. Mais là, on voit rien. Bien que ça soit déclenché moins de 18 ans, on voit quand même rien. Là, on l'a vu, hein. Là, vous l'avez vu, vous pourrez refaire retour en arrière ou quoi, mais la première fois, ça m'a surpris quand même. C'était vraiment pas mal. Alors là, c'est un niveau où il va falloir se faufiler, éliminer les gardes pour que la voiture, elle passe, elle traverse la... C'est une prison, il me semble.
Mais voilà, c'est là-dessus, moi, que je vais vous laisser, parce que franchement, j'espère vous avoir donné l'envie de faire ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu à faire. En plus, il n'y a rien vraiment à se mettre sous la dent en ce moment sur les consoles nouvelle génération, sur PlayStation 4 et Xbox One. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, mais franchement, ça, c'est un jeu qu'il faut vraiment posséder. Voilà, enfin, vous m'avez compris, hein. J'ai surtout pas eu de chance, hein, avec mon... C'est un petit truc que je fais avec mon pote, mon collègue. Hein, on a surtout pas eu de chance. Hein, Daniel, dédicace à toi. Voilà, les gens comprendront pas, mais c'est pas grave, toi tu comprendras. Et c'est Philippe aussi. Voilà. Allez, moi je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site. Venez sur www.ijeremy.fr. Venez participer au forum, on va délirer ensemble. Partagez vos passions, si vous faites des vidéos, présentez-les. Et puis voilà, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et bien entendu, à ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à bientôt, en attendant portez-vous bien et surtout amusez-vous bien à Wolfenstein, The New Order. Ciao, ciao.